Bonsoir Loretta Denaro Dominici, vous rendez hommage dans ce livre « Sans lui » publié chez Michel Lafon à celui qui fut l'amour de votre vie, la légende du rugby Christophe Dominici. Vous qui avez vécu 13 ans avec lui, vous ne croyez pas au suicide, c'était le 24 novembre 2020, il a fait une chute d'une dizaine de mètres dans le parc de Saint-Cloud. Légende du 15 de France disparue brutalement. La mort de Christophe Dominici, l'un des rugbymen français les plus emblématiques de ces 30 dernières années. Il avait 48 ans. L'ex-international de rugby aux 67 sélections avait été 5 fois champion de France avec le Stade français et 4 fois vainqueur du tournoi des 6 nations. Un essai magnifique marqué contre les All Blacks en demi-finale d'une Coupe du Monde. Un parcours d'excellence et tous les amoureux du rugby rendent hommage à un dieu du stade. Vous racontez dans le livre que vous apprenez la mort de votre mari sur place. Il n'a pas pris son portable ce jour-là. Vous le cherchez dans le parc de Saint-Cloud et soudainement, vous voyez le SAMU. Et je le cherche partout et finalement, je n'ai pas eu le temps d'avertir personne parce que les journalistes, ils étaient déjà sur place. Donc ça s'est passé assez vite. J'ai dû passer une heure dans le choc. Et je trouve que ça, c'est dur. Entendre ça par la télé. Oui, donc les journalistes l'ont su avant vous. Les journalistes l'ont su avant nous, avant mes filles, avant les beaux-parents. Et oui, c'était compliqué. L'enquête commence, la piste criminelle est écartée. Est-ce un accident ou un suicide? Pour le savoir, forcément, il y a les témoignages. Alors, il y a le témoignage d'un cycliste qui l'a vu basculer par-dessus un parapet. Il y a un employé du parc aussi qui raconte l'avoir croisé avec l'air préoccupé, qui dit même qu'il a voulu l'aider. Est-ce que vous vous souvenez de l'état d'esprit qui était le sien en ce jour si particulier? Vous savez, quand on ne dort pas pendant longtemps, le cerveau, il va sûrement... Il s'est mis en alerte. Je sais juste pourquoi elle n'a pas dormi. Pourquoi elle n'a pas dormi en juillet, pourquoi elle n'a pas dormi après l'événement de Béziers. Ça, je le sais. On va expliquer tout ça. On va expliquer dans quel état mental il était, parce qu'il y a eu plusieurs alertes avant le drame. Une première alerte lors de l'été 2020. Il est en plein surmenage, il a une bouffée délirante, il se dit poursuivi, persécuté, et à ce moment-là, il est hospitalisé. Ouais, expliquez-nous, qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état-là, Eva, ce jour-là? C'est ce que vous racontez dans le livre. Son rêve à Christophe, c'était de relancer l'AS Béziers, et il va faire une mauvaise rencontre. Il va rencontrer l'homme d'affaires Samir Ben Romdan et sa femme Nadia, qui ont fait miroiter à votre mari beaucoup de choses, notamment dans le but de lui soutirer des sous. Est-ce que, selon vous, ils ont une part de responsabilité dans la mort de votre mari? C'est des manipulateurs, donc oui, bien sûr que oui. Ils ont pris ce moment de faiblesse où Christophe il était vraiment très concentré à faire que sa partie sportive, donc trouver les joueurs dans les deux parties du monde. Et je ne sais pas par où ils voulaient soutirer de l'argent, mais ils ont essayé de lui faire mal. Ils ont essayé. Et vous sentez dès le début, vous les trouvez louches, alors vous êtes très observatrice, vous trouvez qu'il y a un décalage entre le train de vie qu'ils sont censés avoir et ce que vous voyez dans leur frigo, par exemple. Oui. Il y a plusieurs autres alertes et vous essayez de parler à votre mari, de dire attention, ces gens-là, je ne les sens pas, mais très vite, vous vous rendez compte qu'ils ne vous écoutent pas, vous ne voulez pas passer pour la méchante. Donc, son rêve, il était beaucoup plus gros, il regardait beaucoup plus loin que mes petites observations, que pour lui, ils étaient pas importants, mes observations, en ce moment-là. Et à un moment, il découvre le poteau rose, il comprend que ce couple l'a berné, et là, vous le voyez littéralement sombrer. Il devient mutique, il ne vous parle plus. Il ne comprend pas où il a pu fauter, il ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le projet ne s'est pas fait. Moi, je sais juste pourquoi il ne dormait pas. À cause de ça? Oui. Il s'était fait berner, il s'était fait... Il ressassait l'histoire? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous ne croyez pas au suicide? Est-ce que quelqu'un qui est dans une bouffée délirante, c'est quelque chose de conscient? Est-ce qu'il fonctionne consciemment? Je ne sais pas ça. Moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. On a amené les enfants à l'école, il était... silencieux parce que le coup de téléphone qu'il a eu le week-end, il a fait se mettre dans un mutisme, comme ça qu'on dit. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, quel coup de téléphone? Il a échangé avec Samir et Nadia. Donc le couple dont on parlait tout à l'heure. Donc finalement, peut-être qu'il s'est avoué à lui-même qu'il était... Que c'était fini l'affaire Béziers. Oui, qu'il s'était fait avoir.
C'est tout un ensemble, c'est toute cette histoire de Béziers qui l'a fait sombrer, oui. Parce que qui a connu Christophe, et je pense que vous le savez bien, il mettait la lumière quand il entrait dans une pièce. Donc, il avait beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie, il était... C'est quelqu'un de solaire. Et c'était en même temps quelqu'un de sensible. Très sensible. Moi, j'ai participé. Oui, parce que j'ai participé à l'émission de Frédéric Lopez, à la campagne avec lui. Et puis je l'avais revu à la Clusaz parce qu'il faisait des tournois l'hiver de rugby. En destination, oui. Et c'est quelqu'un qui était un grand sensible. C'est-à-dire que les 24 heures que j'ai passées avec lui chez Lopez montraient, voilà, c'est les moments où on se révèle un petit peu. Ouais. Et c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement sensible. Oui, il était sensible, mais c'était un meneur. Et les meneurs, ils ont une force... égale à leur sensibilité. Donc, je ne l'ai jamais vu dépressif. Je ne l'ai jamais vu broyer le noir. Oui, vous dites que beaucoup de choses fausses ont été dites sur lui, qu'il n'était ni angoissé ni dépressif, mais excessif. Oui, vif. Excessif. La folie drôle, pas la folie mauvaise. Oui, je l'ai vu excessif. Et vous lui rendez un magnifique hommage. Il y a cette phrase. Parfois, je me dis que le temps passera sur nous trois, comme sur tout le monde. Là, vous parlez de vos filles. Nous vieillirons, mais Christophe restera toujours le même. Le regard espiègle, le sourire malicieux, la chevelure ébouriffée. Il a la jeunesse éternelle. Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous faire pleurer. Je trouvais cette phrase si belle. Merci. Ah, c'est très dur, c'est compliqué. C'est vrai, juste, moi j'avais vu aussi dans des tournois comme ça, des tournois de rugby sur des terrains gelés, c'était de la neige, il s'amusait à faire ça, et c'est vrai que c'était un vrai leader, quoi. C'était un type qui, vous dites à juste titre, qu'il apportait la lumière, mais il avait un charisme incroyable, et tous les spectateurs allaient le voir, lui, il y avait d'autres gens qui étaient que deux joueurs de rugby qui étaient là, mais tout le monde allait le voir, il était toujours souriant, il était toujours sympa avec tout le monde, il prenait des photos, enfin il était toujours disponible. Ouais. Et il n'arrivait pas à dire non, il disait jamais non. Ouais, c'était une vraie star. Hein. Et moi je trouve qu'en tant que téléspectatrice, quand on regardait le rugby, qu'on le voyait, il y avait un côté facétieux, alors peut-être que Cécile le sait mieux que moi, enfin, ou est-ce que c'est une fausse perception qu'on a en le voyant à l'écran comme ça? C'est quelqu'un qui faisait rêver les gens et qui a toujours fait rêver les gens et qui laisse vraiment cette marque de folie sur son aile. Voilà, c'est Christophe, il a laissé des héritiers. Aujourd'hui, les ailiers du 15 de France parlent de lui. C'est un modèle pour le rugby français et pour ces jeunes joueurs, ces jeunes générations. Et sa grande sensibilité, mais sa grande force aussi. C'était quelqu'un qui doutait peut-être de plein de choses, mais jamais sur un terrain. Permettait aussi de laisser... vraiment une trace dans l'histoire du sport français. Je pense qu'en plus, il y a peu de gens qui arrivent à dépasser le cadre de leur sport. Domi, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de rugby de ces 20 dernières années qui ont réussi à faire cette bascule-là. Et ça dit beaucoup de lui.